Ne vous inquiétez pas pour vos vêtements, ils ont été adaptés pour vous mettre dans l'ambiance du début du XXIe siècle. Nous allons passer le reste de la visite, suivez-moi. C'était pas terrible. T'as oublié de dire que c'était dans le 3. Merde ! Mais tu pars, tu... Action. Vous savez que mon grand-père les a bien... C'est ta faute qui fait des haussements de sourcils, sale type. Excuse-moi. Pas de haussements de sourcils. Non, pas prêt. Ta gueule. Bon, allez. Nice. On est des pros. Vous savez que mon grand-père les a bien connus. Ils faisaient des jeux de rôle ensemble. Ça alors, je vérifie. Pip, 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 pip. Ça, c'est vrai. Je t'avais dit de rien dire. Ok, action. Vous savez que mon grand-père les a bien connus à l'époque. Ils faisaient des jeux de rôle ensemble. Oh. Et toi, je vais dire quelque chose, moi. Mais c'est pas compris. Mais merde, enfin. Ok. Ok, action. Vous savez que mon grand-père les a bien connus à l'époque. Ils faisaient des jeux de rôle ensemble. Alors ça, c'est incroyable. Il y a bien un carnaval ensemble. Oh, et bien ça, c'est absolument incroyable. Action. Suivez le guide, mesdames et messieurs. Ici, vous pouvez apercevoir la... Ah, merde. Sorry, j'ai encore regardé la caméra. C'est vrai qu'il y a de la merde là et là. Action. 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 Bien que certains hérétiques prétendraient que ce serait juste un joyeux bordel laissé là par des gens qui n'ont aucun ordre, ni aucune hygiène d'ailleurs. Allez-y. Allez-y. Oui, oh. Comment tu veux que je fasse un oui? Allez, je vais faire l'air. Vas-y. Attends, deux secondes. Penchez-vous un petit peu vers... Ok, mais... Attends. Je vois pas ce qu'il fait. On ne touche pas. Tu touches pas. C'est que sa place est dans un musée. Vous comprenez. C'est... Voilà, voilà. Ok, on va... Vous avez quoi? Oui, Marie-Octa. Et on imaginait descendre de... Action. Allez, bande de bétail. C'est... On peut... Oui, je vous en prie, faites-vous plaisir. Il ne dira rien. J'ai rigolé. Action. Tu n'oublies pas de dire, je demande du coup. Et ici, vous pouvez admirer... Un peu de recueillement, messieurs. Non, par contre, on va refaire. 3 PlayStation 2. C'est vrai que je me suis souvent posé la question. Ah ouais. Ouais. Qui contient les plus grands mystères de l'univers. Personne n'a jamais su pourquoi ils avaient 3 PlayStation 2. C'est vrai que je me suis souvent posé la question. Ok. Je bloque plus. Ok, vas-y, action. Oh, Nurgle 3. Ok, on va la refaire une fois, mais ouais. Non, mais il est pas si petit, en fait. Là, t'as l'air surpris, t'es pas surpris, tu sais où tu es. Oh, il vient le chercher, donc t'es énervé, mais t'es pas surpris. Nurgle 3. Et tu vas venir le chercher, à Nurgle 3. Ça filme. Ok, action. Nurgle 3. Ok, c'est deux flashs. C'était quoi ça? Et action. Nurgle 3! Oh, Goldo! Le vrai Goldo! Il faut que tu me suives vers le futur! Genre. Tip. Ouais, c'est bien. On va la faire. Et après, on fera une pré-séquence où vous avez le flash dans la gueule. Il faut qu'on se coordonne un minimum parce que ça va être. Pas dire le nom de Zeus. Mais ça, c'est au début, dès que j'arrive, je fais Nurgle 3, tu fais. Hop. Faut que je cadre de manière à ce qu'on voit pas dans le sensé. Le vrai Goldo. Rapproche un petit peu de... À un moment j'ai failli te faire. On fera ce que tu veux, mon petit cœur. Okay. Mon petit cœur. François, tu ne t'avances pas et Goldo, tu t'arrêtes à l'air. Et action. Nurgle 3. Il faut que tu me suives vers le futur. Goldo, mais pourquoi je deviens vieux con? Non, pas exactement. C'est ta fille, à propos de ta fille. Regarde ce qui lui arrive. Oh, nom de Zeus! On va se marier avec Robert Pattinson! Oh,
qu'est-ce qu'on va faire alors? Il faut qu'on y aille maintenant. Suis-moi. Oh, comment j'ai craché dans la gueule. Nurgle 3. Le Goldo originel. Il faut que tu viennes avec moi vers le futur. Pourquoi je viens un vieux con? Goldo. Là, tu te colles encore trop. Non, je... je sais que tu m'aimes beaucoup. Là, c'est pas mal, ça. Allez. Le bon jeu, c'est quand on ne voit pas que tu joues. Ok. Action. Il n'y a pas autre chose qui se règle. Mais je peux corriger l'idée sur l'appareil photo. À mon avis, il faut 10 000. Alors, donc, ta sœur s'appelle Robert. Alors, il paraît que le médecin fait une incision qui fait une cicatrice en dessous des testicules. Tout à fait. Parlez loin. Okay. Alors, donc, Juliette a devenu Robert. Robert est devenu Sandra. Et Sandra est devenue. Ah bah. Trifon qui est un extraterrestre venu de la planète. Qui est un extraterrestre Arunta. Partouzeur. Voilà. Qui a beaucoup de succès dans les soirées transformées sur Mars. Alors donc, la revanche de l'extraterrestre Partouzeur nous raconte une histoire, Nurgle. Une histoire poignante et géniale à la fois. Alors, donc c'est un extraterrestre qui s'est fait adopter par un pédophile. Tout à fait, qu'il aime beaucoup. Et en fait, c'est l'extraterrestre qui aime le pédophile. Voilà, c'est... Alors, mon grand-père, lorsqu'il avait une moustache et 4 ans, il a sucé des ours en tabernacle, mon ami. Et mon grand-père aimait aussi... Les pangolins. Exactement. Ah, bah dites donc. Avec du Nutella sur les roubignoles. C'est incroyable. Du Nutella sur les roubignoles avec des poils, donc ça collait. Tu rajoutes des cacahuètes et ça ressemble à une espèce de chipmunks qui aurait pris un rail de coke. Des peanuts. Interview scandale. Alors, vous vous êtes marié avec un cerf. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Ce cerf n'était pas consentant. Écoutez, ce cerf, je l'ai à peine connu, je l'ai rencontré dans une soirée. Nous avons fait un test de QI à ce cerf, il a 62. Vous êtes marié avec un handicapé mental. Vous n'avez pas honte? Mais non, mais les cerfs ne peuvent pas être handicapés mentaux, sinon ça saurait. Si, au-delà de 63, ils sont considérés comme des handicapés mentaux. Et vous avez choisi 62, comme par hasard. Eh bien, je n'ai pas de commentaire à faire. Je laisse tout à mon attaché de presse qui fera une déclaration à 13h. Juste, test de son, Gilus. Test de son, parlons du chameau nain. Nous adorons les chameaux nains. Gilus, chameau nain. Mon petit cœur. Oh, mon petit cœur.